Allez, go, petite pause neurone et j'enchaîne avec la machine à sous taverna de Los Muertos. Alors, on va qu'il y ait d'entrée, hop. Alors, on commence à 18 000 boules. Alors, là, une boost. Ok, 1000 balles pratiquement, 990. J'espère que la Miss Gater va pas trop tarder à se montrer en triple exemplaire. C'est clair que la partie précédente, le jeu Mister Bling, avant de faire une remontée à 18 000 balles, on s'est quand même bien fait torcher. Alors dommage ici. Alors 1230. Bon, 1230, ça peut sembler être un go win, mais c'est à peine un peu plus qu'un fois 10 par rapport à la mise, c'est pas énorme. Enfin, pas énorme, je parle niveau ratio mise par rapport au gain. Alors, la vilaine, la miscataire, la miscataire. On dirait bien que c'est parti pour torcher ses verres avant un éventuel potentiel win qui est bien sûr pas garanti. De 18, on est passé à 14. Alors ça part très très vite quand les jeux payent que dalle. Si ça continue comme ça, ouais, forcément bah, je vais réduire les mises, on va pas tous se faire cramer sur un seul jeu. Allez, miscataire, on compte sur toi. Alors du joker. Alors un big win, 3, 4, combien, combien, combien? J'espère que le compteur il va bien grimper. Alors, 1990. Rouleau 4, rouleau 4, non, rouleau 5 peut-être, non plus. Rouleau 4 ou le 5? Eh ben non, c'était pas le bon. Alors je vais bien me placer le joker. Non, c'était pas top. Alors, double mariage de mise joker ici. Peut-être un petit troisième, non? Alors,
parce que là il va y avoir du big win à la clé. Allez, deuxième mariage de joker. Alors, big win ou cacahuète. Je suis curieux. Ah, 3002, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Remonter sur un chiffre 15. Je me méfie de la série de spin perdant. La chasse au troisième scatter, là c'est pas évident. Bon, c'est clair que des fois c'est vraiment un gros coup de bol d'avoir les trois scatters d'entrée en début de partie, mais ça malheureusement c'est un scénario relativement rare. Ça arrive de temps en temps, mais bien sûr pas très souvent. Balance à 4 chiffres, balance à 4 chiffres. Peut-être un mauvais présage. Alors la sorcière, elle ne veut pas se montrer en 3 exemplaires. La vilaine sorcière. Big win 1006. Un petit renflouage. Rapide. Bon, bah, j'avais commencé à 18 200, alors un big win ici j'imagine, pas trop mal. On commence à 18 200, une fois arrivé à 8 200, c'est 10 000 boules de bouffée. Là, je crois que s'il ne pompe pas les 3 scatters ou un gros big win, ça va se terminer en version je suis mal barré. Et voilà, pas le choix, on va devoir réduire les mises. Il y aura un petit win sympa ici peut-être, ouais, ça m'étonnerait. Ah si, quand même. Ah, 2005, tant mieux. Parce que je me disais, une fois arrivé à 5000, je vais devoir réduire les mises. On va bien pondre enfin ces 3 scatters. Thank you.
Et bah, après le big win, ça retorche. Pas le choix, allez hop. Bon bah dommage quand même, j'avais commencé à 18 002, donc il y avait de la marge pour envoyer les mises maxi, mais bon, quand ça paye que dalle, ça paye que dalle. Alors là, c'est le genre de scénario qui fait plaisir à l'administration du casino quand ils regardent leurs statistiques admin. Tiens, bah lui il avait une grosse balance, il s'était torché. Là, malheureusement, pas le choix, je vais devoir réduire encore les mises. Voilà la mission free spin, c'était plutôt la mission banqueroute. Alors, est-ce qu'on pousse la partie jusqu'à 0? On dirait que c'est parti pour. Bon ben c'est bien dommage, super grosse balance, puis bon bien sûr ça aurait pu payer avec les hot mises, mais là ça a raté que dalle. Alors, big pépette, 731. Ah ouais, la sorcière au free spin, elle veut pas se manifester en triple exemplaire. Simple et mise, allez go. C'est clair que là, si les free spins sortent, ça va pas payer autant que si c'est des mises à 125, mais bon. On peut pas tout le temps gagner avec ce genre de jeu, c'est clair. La mission free spin qui sera soldée par un échec. La vilaine sorcière, elle est tendue du string aujourd'hui. On l'a pas vu en triple exemplaire. Une petite remontée avant d'arriver à zéro, mais bon, c'est pas d'illusion. Vu comment la partie se déroule, je crois que c'est mal barré. Allez, spin chance. Non. Spin chance version 2. Version 3, version 4, version 5. Et ouais, que dalle à la clé. Ah, sans déconner, triple mise, eh ben, il est 7 ans. Hein. Bon, mise à 62,50, donc ça va être peut-être pas trop mal niveau win. Enfin, ça paiera deux fois moins qu'avec des mises à 125. On balance pas que des cacahuètes niveau win. Parce que là, quand même, on avait commencé à 18 000 boules, puis là, 1008. Enfin, sans commentaire. Hein. Eh ben ouais, les free games, cacahuètes. Alors un big win peut-être sur la fin, mais c'est pas d'illusion. Très loin du x10 par rapport à la mise. La dernière, la dernière. Oh, 4 scatter. Alors 4 scatter, 4 scatter. Un retrigger, ben cool. Ça c'est sans refus. On est pratiquement x10 par rapport à la mise. C'est quand même cacahuète. Ouais,
voilà, malgré le retrigger, niveau win, c'est pas faramineux. Alors la dernière, cacahuète de chez cacahuète, 637,50 de récupéré sur 20 free games. Bon bah du coup on termine à 2461, c'est bien fait torcher, défoncer, éclater, mais bon c'est la règle avec les machines à sous, quand ça paye que dalle, c'est clair que la balance est morfle. Bon bah du coup 2461 c'est ce qui reste, ce qui restera pour attaquer les prochains jeux malheureusement. Et ouais, c'est clair que les parties gagnantes c'est bien beau, mais il faut aussi prendre en considération les parties perdantes, car pas tout le temps gagner avec ce genre de jeu. Bon ben joli torchade, on verra donc pour la suite, probablement banqueroute, ça m'étonnerait qu'on se tape une remontée, enfin on verra.